Qui habite qui pourra le diriger demi-finale match aller Ligue des Champions entre Bayern Munich et Real Madrid? Nous pourra le gagner pour nous partager toutes données. Nous habite qui a choisi. Après tout, liste joueur Real Madrid convoqué pour jouer face à l'équipe Bayern Munich. Il y a un pile de surprise. Ou pourra le compte tendez. Après tout, information sur Melchidel Dubonnet, eh bien, qui qualifie avec l'équipe lyonnaise pour la grande finale de la Ligue des Champions féminines. Pas oublier fanatique, meilleure façon pour supporter le travail, c'est abonner avec Chanel, le fin abonné, tout activer la cloche notification, quitter un commentaire, quitter un like et surtout aider nous partager vidéo ça. Je t'ai annoncé là dans le commencement vidéo, habite demi-finale aller Ligue des Champions entre Bayern Munich et le Real Madrid mardi prochain dans Allianz Arena. Non habite ça li dévoilé l'UEFA li choisi Clément Turpin pour venir diriger match football ça. Leur dit Clément Turpin c'est une habite nous capable dit qui est considéré en pile sur continent européen. Et bien pour demi-finale aller Bayern Munich et le Real Madrid, et bien c'est français lui-même qui pourra le diriger là. Pour rappel, et bien Clément Turpin il a pourra élu meilleur habite européen pour saison 2021-2022. C'est un habitant central qui vraiment dirigeait Real Madrid. Et bien, Turpin, t'as pas l'arbitre final de la Ligue des Champions 2022, qui t'as pas joué le 28 mai, et bien, dans la Coupe de la France, surtout à Paris, entre le Real Madrid et Liverpool. Et bien, Français a lui-même été choisi aussi pendant la saison 2020-2021 pour t'arbitrer final Europa League, qui t'a opposé Manchester United face à l'équipe Villarreal. Et saison dernière, il était également arbitré match retour demi-finale entre Inter de Milan et Milan AC. C'est pour leur cinquième match Clément Turpin dans la Ligue des Champions pour la saison 5 et deuxième match côté qu'il va diriger l'équipe Real Madrid. Monsieur lui-même était dirigé club et capitale espagnol dans la phase du groupe saison 5 côté que Real Madrid lui-même lui a pratiquement débattu 3 goals à 2. Clément Turpin, nous capable dire c'est un habitant Real Madrid vraiment gain chance avec lui. Jusqu'à présent, lui arbitré Real Madrid 6 fois en Europe. Et pendant 6 fois ça yo, Real Madrid a toujours gagné. Pas gagné aucun match nul, ni défaite avec Français. Nous sommes capables de dire sur 6 matchs ça yo, gagné 4 et qui arbitré à l'extérieur et 2 dans Santiago Bernabéu. À l'extérieur, Real Madrid a été imposé face à l'équipe Napoli en 3-2. Liverpool, Real Debatli 1-0. Chelsea, Real Debatli 3-1. Et AS Roma, Real Debatli 2-0. Au total, Real Madrid a marqué 16 goals avec Clément Turpin et il prend simplement 5 goals. Faut que nous dit aussi, Bayern Munich n'a pas perdu avec Clément Turpin en Europe à 8 reprises. Et bien, bilan, c'est 5 victoires et 3 matchs nuls. Dernière rencontre et Clément Turpin avec l'équipe et vraiment et Bayern Munich là, il est remonté près d'un an. C'était le 19 avril 2023. C'est dans le cadre et quart de finale retour Bayern Munich qui a fait match nul à domicile face avec l'équipe Chelsea. Pendant que nous dans Real Madrid annoncé directement pour nous liste jouer, et bien Carlo Ancelotti lui-même lui mettait dehors pour affronter l'équipe Bayern Munich là en demi-finale à la Ligue des Champions mardi 30 avril 2024. Et bien Melis joyeux comme gardien de but Thibaut Courtois qui fait grand retour dans l'Islam, est-ce qu'il va le jouer? Mais nous connaissons Thibaut Courtois, il est capable de briser parce que il y a une information qui devait connaître que Thibaut Courtois avec David Alaba il a fait voyage là, c'est pas pour jouer mais c'est pour supporter l'équipe là. Et bien Courtois il est présent. Pour rappel, faut nous dire en conférence de presse, Carlo Ancelotti te fait connaître que Courtois capable de jouer face à l'équipe Cadiz. Et bien, il y a l'Uni, plus Kepa Arrizabalaga. Comme défenseur, il y a Daniel Carvajal et des Militaro, David Alaba. Je ne dis l'un Alaba, forcément, c'est pas pour jouer, mais c'est pour apporter soutien avec l'équipe là. Nacho Fernandez, Lucas Vazquez et Fran Garcia, Antonio Rudiger et Fernand Mendy. Milieu de terrain, c'est Jude Bellingham, et Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, plus Arda Güler. Comme attaquant, c'est Vinicius Junior, Rodrigo, Rossellou, plus Brahim Diaz. Eh bien, joueur qui est absent pour causer suspension, c'est Daniel Carvajal, et puis j'en dis là tout, David Alaba, malgré l'inalisme,
mais nous connaissons monsieur lui-même li pas capable jouer. Voilà donc c'est Lis joueur ça qui convoqué pour déplacement Real Madrid face à l'équipe Bayern Munich. Notre pépite haïtienne Melchidel Dumoni pour le jeu final Ligue des Champions avec équipe Olympique Lyonnaise. Et bien, en cas de demi-finale, retour Ligue des Champions, bon côté, mesdames, yo. Et bien, équipe Paris Saint-Germain, qui t'a recevoir équipe Lyon, dans le parc des Presles, côté qui a 28 000 spectateurs qui étaient présents. Et bien, match aller qui définit 3-2 en faveur équipe Lyon, côté que Melchidel Dumon était marqué et était délivré une passe décisive. Et bien, pour match retour, là, il fait même bagaille encore. Melchidel Dumoné, t'es passeuse décisive et buteuse aussi dans match retour, là. Victoire 2-1. Il finit MVP, ni dans match aller, et ni dans match retour, là. Et bien, équipe Lyon, qui pourra affronter équipe FC Barcelone, qui s'est tenant du titre exactement. Et bien, Barcelone, lui-même, qui d'avoir battu équipe Chelsea, 2-0 dans Stamford Bridge. Hein. Barcelone, qui est considéré comme meilleure équipe qui gagne dans le monde actuellement, bon côté, mesdames, yo visé un troisième titre européen, tandis que Lyonnais, yo visé un neuvième étoile. N'a souhaité bonne chance avec Melchidel Dumoné. Et bien, Lyon lui-même qui pourra justement qualifier pour 11e finale Ligue des Champions dans toute histoire. Pas oublier meilleure façon capable de supporter le travail là, c'est abonner, le fin abonner, activer la cloche notification, quitter un commentaire, quitter un like et surtout aider nous partager.